Bonjour chers amis, bienvenue à ce nouveau cocktail SPI. Je vous invite ici à Genève, comme vous le voyez, avec le jet d'eau derrière moi. Genève, où je ne reviens jamais sans émotion, puisque c'est la ville où je suis né. Genève, avec ce merveilleux lac de Genève, si l'on écoute certaines personnes, lac Léman, si l'on écoute d'autres personnes, peu importe, il est beau, c'est ça qui compte. Genève, où nous allons parler ensemble d'amour et de durée. Mais commençons, comme tout cocktail, par le cadre, le verre. Le verre, c'est bien sûr ce cadre somptueux, le jet d'eau dont on dit qu'il a autant de mètres de haut qu'il y a d'organisations internationales ici dans la ville, le port ici de la Perle du Lac et tout au fond là-bas. Mais oui, vous ne rêvez pas, cette montagne toute blanche, c'est bien le Mont Blanc que l'on aperçoit depuis les bords du lac, depuis la ville de Genève. Parmi les plus beaux lieux qui se trouvent à Genève, la Perle du Lac, où je me trouve actuellement, un des endroits où on peut le mieux admirer le jet d'eau dans un cadre fleuri, calme, avec même un gentil petit restaurant. Un lieu, vous le voyez, qui est tout à fait propice à s'asseoir un moment au bord du lac, à se reposer en ce temps estival, je vous le recommande. La base de ce cocktail d'aujourd'hui parle d'amour. Je vous relis le texte que j'ai choisi dans la première lettre aux Corinthiens de saint Paul, au chapitre 13, les versets 4 à 8. Vous allez voir, ça coule de source comme cette eau derrière moi. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne jalouse pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais trouve sa joie dans la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Non loin de la Perle du Lac, le parc Vermont, qui est le parc de mon enfance. Et c'est là que je vous emmène, plus précisément dans les immeubles qui le bordent, au numéro 46. Le numéro 46, qui est le lieu où j'ai vécu mon enfance et où habitent encore aujourd'hui mes parents. Et pourquoi je vous emmène voir mes parents? Eh bien parce qu'ils ont fêté cette semaine leurs 65 ans de mariage. L'amour qui dure, c'est beau. Et c'est l'occasion d'en parler avec eux et de parler de ce verset biblique avec eux. Venez! Ah oui, la porte est ouverte, ça tombe bien. Alors, on prend l'ascenseur et je vous emmène chez eux. Ce sont les ingrédients du jour. D'aussi longtemps qu'ils m'en souviennent, on a toujours appelé ce lieu la grande pièce. Et pourtant, elle ne fait que quelques mètres carrés. Mais c'est dans cette pièce transformable à l'envi et bien aménagée que nous avons reçu tant de monde autour d'une table grande pour le repas ou petite comme celle de l'apéro, spirituel ou non. C'est là que vous, mes parents, vous avez habité, logé et même dormi lorsque les quatre frères étaient petits et que j'étais dans mon berceau de l'autre côté. C'est avec vous aujourd'hui que j'aimerais réfléchir
pour les personnes qui nous écoutent à ce très très beau texte que nous venons d'entendre, ce texte de la première épître aux Corinthiens qui nous rappelle que l'amour ne passe jamais à condition qu'il prenne patience, dit le début du texte, qu'il ne jalouse pas, qu'il ne se gonfle pas d'orgueil, qu'il ne se réjouisse pas de ce qui est injuste, etc., etc., tout ce qu'on vient d'entendre. De la patience et tout le reste, il en a fallu pendant les 65 années de votre vie, avec vos 4 fils dont je suis, vos 7 petits-enfants, vos 8 arrière-petits-enfants, et tout cela a commencé il y a un peu plus que 65 ans, et il a fallu de la patience au départ. Oui, parce que 65 ans de mariage, mais ce mariage, nous l'avons attendu pendant 7 ans. 7 ans où nous étions séparés, Jacques habitait Paris et moi ici. Et puis ensuite, alors qu'on pensait que ce mariage s'approchait, voilà la guerre d'Algérie, où tant d'amis sont partis et Jacques aussi, normalement pour 18 mois, et l'armée l'a maintenu 30 mois. Et là, la patience, il a fallu en avoir beaucoup. Et puis tous ces mots qui sont dans ce texte que j'ai souligné, le service, mais surtout la confiance, confiance en celui qui est loin, l'espérance contre tout, malgré tout, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les lettres qui n'arrivent pas, l'espoir. Et heureusement, et ça je le redirai beaucoup, la certitude que Dieu est là pour nous aider. Et puis alors, il y a un mot qui n'est pas dans le texte de Paul, et pourtant, c'est un mot qui a habité cette pièce depuis que je suis tout petit, grâce à toi, papa, c'est l'humour. Et Paul n'avait pas prévu qu'il faille de l'humour, et je crois qu'il en faut. Il a oublié ça, Paul. Il a oublié l'humour. C'est indispensable. Quelqu'un a dit un jour, c'était pas moi, la vie est une chose beaucoup trop sérieuse pour qu'on la prenne autrement qu'en riant. C'est ce que j'essaye de vivre tranquillement, à ma façon. Mais le rire est une excellente chose. C'est le propre de l'homme, mais il faut le prêter à la femme aussi. Il ne faut pas garder ça. Oui, j'espère bien. Mon enfance a été bercée de belles histoires, et notamment celles que tu me racontais, parce que tu es une merveilleuse conteuse et tu continues avec tes arrière-petits-enfants aujourd'hui. Alors le cube de grâce de notre cocktail, eh bien aujourd'hui, c'est cette jolie histoire du petit colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, atterrés, terrifiés, observaient impuissants le désastre. Seul, le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Comme ça serait beau si chacun faisait sa part, comme le monde irait mieux. Que chacun fasse sa part, c'est le fruit que j'aimerais vous offrir suite à ce joli texte que vous a proposé ma maman en méditation. Que chacun fasse sa part, et alors la dernière phrase de notre extrait de la lettre aux Corinthiens s'avérera. L'amour ne passe jamais si effectivement chacun de nous contribue à sa manière, à sa part, à son échelle, à l'amour entre les êtres humains. Alors tout cela dure, se transmet comme une belle chaîne, et l'amour ne meurt jamais dans ce cas-là.
Ce fruit, donc, que j'aimerais vous transmettre, c'est que vous aussi, à votre manière, vous fassiez votre part d'amour autour de vous, auprès des gens qui vous entourent, avec la merveilleuse création aussi, comme celle dans laquelle je me trouve, le parc de mon enfance, où l'on entend aujourd'hui encore les cris et les jeux des enfants. Si chacun fait sa part, eh bien, des lieux comme celui-ci sont préservés et la création continue de naître année après année sous nos yeux. Faites donc votre part, chers amis. Si chacun fait sa part, alors le monde ira certainement beaucoup mieux. Santé, chers amis. C'était un banc derrière moi et le temps l'a transformé en une sorte de livre. D'ailleurs, si vous regardez bien, quelqu'un y a oublié ses lunettes. Ce livre est le livre du temps, celui du temps qui passe, celui du temps qui nous emmène la semaine prochaine un petit peu plus loin encore à l'ouest, dans un autre lieu. J'aurai passé une frontière, si tout va bien et si le Covid le permet. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cocktail SPI et d'ici là, feuilletez les pages du livre du temps. À bientôt, soyez bénis. Ciao.